Camille Pelletier, vous présentez Callahan dans le quintet de mardi, bah, qui reste sur une bonne prestation à Clairefontaine. Oui, le cheval a bien couru à Clairefontaine. Il avait une petite contre-performance avant au Sable d'Olonne qui était excusé. Et il est resté en bonne forme. On a fait exprès de ne pas le courir rapproché. C'est un cheval qui court mieux espacé. Et puis il a un poids convenable, donc il devrait bien courir. Il va découvrir Auteuil ? Oui, je pense pas que ça va être un problème parce que c'est un cheval qui consomme pas, qui est relativement facile, qui est maniable, il devrait bien s'adapter à Auteuil. Il a peu de métier, hein, parce qu'on voit une longue interruption de carrière. Oui, tout à fait. C'est un cheval qui a eu des soucis de santé, qui est qualiteux, mais qu'il faut maintenir en forme. Donc on croise les doigts. Pour le moment, il reste en bonne forme, donc j'espère que ça va continuer un moment. Il est appelé à réussir à ce niveau-là, avec de l'expérience ? Oui, je pense. Déjà, ce qu'il avait fait à Clairefontaine, c'était bien, parce que c'était un lot correct. Et je pense que le cheval peut continuer sur sa lancée. Ouais. Le terrain va lui convenir ce mardi ? Oui, je pense pas que ça soit un cheval de terrain trop souple, donc là le terrain devrait être bon. La piste neuve, ça devrait lui convenir. Donc il sera intéressant à découvrir à ce niveau en gros, quoi. Oui, je pense aussi. Hein. On a hâte de le voir, de le voir mardi. Vous attendez quoi ? Une bonne performance, vu ce qu'il vient de faire à Clairefontaine. Le cheval, je vous dis, il est resté bien. Il n'y a pas de raison qu'il fasse une contre-performance. Merci bien. Merci.